Veil Henri exilé dans un camp en France. Veil Jacques, 46 ans. Plus de 6000 noms ont résonné place Broglie aujourd'hui. Yom Shoah, le jour de la Shoah, un hommage aux déportés juifs, une journée de commémoration à laquelle la communauté juive a voulu associer toutes les victimes de la barbarie nazie. Il y avait nos frères tziganes, il y avait nos frères homosexuels. Pour moi, il n'y a qu'une seule catégorie, c'est les déportés qui ont souffert de la folie nazie. Une journée pour tous les disparus, quelle que soit leur origine ethnique. À Strasbourg, la communauté tzigane s'est joint à la cérémonie pour évoquer ce qu'elle appelle le Samoudaripen, le génocide tzigane. Il y a eu autant de morts que chez les juifs, hein, par rapport au nombre. Il y a eu 600 000 morts chez nous dans notre communauté. On attend qu'enfin on reconnaisse aussi de ce qui a été fait pour notre communauté, que ce soit Rome, Manouche ou Gitan ou Yéniche. Yom Shoah, une journée pour la mémoire, une journée pour la tolérance et un message à destination principalement des plus jeunes. Battez-vous pour un monde meilleur, pour un monde plus fraternel et surtout pour le respect de l'autre. La tolérance est une chose essentielle et il faut se battre, il faut continuer à se battre, même si on n'arrive pas à des résultats tout de suite. Voilà.